Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de l'aventure galactique sur Star Wars. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous sommes toujours en train d'escalader l'arbre des origines, un arbre gigantesque, on n'en voit pas le bout. Alors là, regardez, il faut utiliser le double saut, sinon on tombe. Comment je le sais? Bah, je suis tombé juste avant de commencer la vidéo. Voilà, c'est tout simple. Allez, on se loupe pas et là, si on n'a pas débloqué le double saut, effectivement, on peut pas aller plus loin. Ça, c'est une certitude. Et en tout cas, on a vécu des choses précédemment et j'espère que ça va continuer, qu'il va se passer plein de choses. Oh! Le grand piaf. J'arrive. Apparemment, il est mal en point. Est-ce qu'on peut l'aider? Éventuellement. Oh là. On peut l'aider, mais faisons attention. Je ne veux pas l'effrayer. Hé! Hey, ça va aller. On voudrait t'aider. On est des amis, d'accord? Des amis. Ça ira. C'est un morceau du vaisseau de la 9e sœur. On doit lui enlever. Ce sera douloureux, d'accord? Je suis désolé. Merci, BD. Ça va mieux. On lui devait bien ça. Grand, mais mignon. C'est donc l'oiseau Chio. Alors attends, j'ai vu un coffre là-haut. Est-ce qu'on peut éventuellement aller le chercher? Est-ce qu'on a qu'un seul... Bon. Je pourrais passer par où pour le choper? Eh ben, je sais pas du tout, parce que là, je peux pas y monter. Non. C'est une bonne question. Ah mais si, j'ai le double saut, attends, je suis bête. J'avais oublié que j'avais le double saut, mon dieu. En avant, Bélé. Allez. Tu vois, comme quoi on oublie vite, hein. Enfin, j'oublie vite, okay, je pense qu'il n'y a pas que moi. Qu'est-ce que c'est? Nouvelle peinture pour le Mantis. Perielli. Montre-moi ça. Ah ouais, c'est blanc or quoi. Je suis pas fan, mais ça peut être cool. C'est stylé, selon les goûts. Bon, c'est par ici? Ouais. En même temps, il n'y a qu'un seul chemin, on risque pas de se tromper, hein. Ah, on va lui monter dessus? Non. Excellent. Tu eh oui, on l'a aidé. Nous emmener? Ça fait un petit peu Avatar le truc là. Ah, c'est la classe. Eh oui, les bonnes intentions. Ça compte? Les bonnes actions. L'Empire est encore loin de pouvoir tout contrôler. C'est quand même la classe. Ah ouais, franchement, stylé. Alors. Allons voir. OMG! Mais... on m'a dit que c'était sur Datomir! Mais vous êtes des menteurs! Mais non! Sabre laser à double lame! En fait, ça se trouve, m'avait induit en erreur exprès. Le sabre laser à double lame est très efficace contre les ennemis nombreux. Utilisez attaque de force pour éliminer les groupes importants. Mais non! Continuez de bloquer après avoir envoyé un tir de blaster pour renvoyer d'autres tirs vers vos ennemis. Alors attends... la touche directionnelle de droite, hein. Oh là là!
Ah oui, monsieur. Ça fait plaisir. La double lame. Oui. Ah là, franchement... Là, franchement, je kiffe. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va revenir juste sur la couleur bleue. Parce que voilà, c'est vrai que la couleur orange, c'est cool, hein, mais je préfère le bleu. Le vert, je suis pas trop fan, mais le bleu, franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et puis voilà, pour l'instant, c'est vrai que je suis du côté de la force et non pas du côté obscur. Allez. Quoique tu me diras orange, c'est ni l'un ni l'autre. Je l'ai trouvé. J'ai achevé ma quête. L'astrium, utilisé il y a des millénaires par les sages et fous. Je tiens entre mes mains un morceau de l'histoire galactique. Oh, je ne pourrai jamais suffisamment remercier Tarful. Sais-tu ce que cela veut dire, mon ami? Inutile de retourner sur Datomir. L'obscurité nous empêchait de trouver l'astrium dans le tombeau de Kujet, mais la force... La force nous a ouvert une toute nouvelle voie. Le tombeau de Kujet. Et voilà un nouveau tombeau. Super. Allez, point de sauvegarde, on va méditer. Et donc ouais, je suis content, ça y est, j'ai eu le double sabre laser. Et c'est vrai que je m'attendais pas à l'avoir aussi rapidement. Parce que beaucoup d'entre vous en commentaire m'avaient dit, bah écoute, tu l'auras sur Datomir, et vu que nous ne sommes pas sur Datomir actuellement, eh ben je me disais, c'est pas pour tout de suite. Que nenni, penses-tu? Alors, escalader l'arbre des origines, ça, c'est fait. Oui, monsieur. Grâce à lui, du coup. Hein. Comment on va l'appeler? Parce que bon, c'est un type d'oiseau. Hein. On connaît sa race, mais on faut bien lui donner un petit nom. Je t'ai retrouvé. Finissons-en une fois pour toutes. Je ne sais pas pourquoi la deuxième sœur te croit si important. Elle aime ses souvenirs, mais... Je suis pas du genre nostalgique et franchement, tu n'en vaux pas la peine. Alors finissons-en. À nous deux, ma grosse. Alors... Je ne manque pas de respect. Je suis plus gros qu'elle. Allez. D'accord. Alors déjà, elle part vachement bien. On peut pas la toucher comme ça simplement. Donc ralentissement. Ralentissement, ça marche toujours. Hein. Par contre, elle contre toujours après. Là, on l'esquive bien. Ouh là là, attention, elle utilise la force aussi. Alors là, tu vois, je préfère utiliser le simple sabre laser parce qu'effectivement... Le double, c'est spécifiquement, et ils l'ont dit, hein, regardez. Oh, ça fonctionne bien. Ah, je vais un peu tester avec le double, tiens. Effectivement, avec le double, c'est plus quand il y a... Aïe! Quand il y a plusieurs ennemis, en fait. Quand il y a un groupe. Allez. Donc, c'est quoi, pour l'instant, on va repasser sur le... Sur le simple. Ça vaut mieux, je pense. Mal pour un déchet. Et pour un Jedi? Il y a une différence? Ah d'accord, elle passe sur le double. Bon bah, si tu veux jouer ainsi, moi aussi. Ah oui d'accord, le coup d'épaule. Waouh, je pense que physiquement, vu comme elle est... vu comme elle est constituée, quand même quoi. Oh là là, ça va pas être évident, je le sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi je peux faire ça? Non je crois pas. J'ai toujours rêvé depuis le début du jeu, lancer mon sabre. Mais je sais pas du tout si c'est possible. Ok. Rien, oh, utilise la force dès que je m'approche. Ok. Ralentissement. Voilà, comme ça, c'est sûr que je la touche. Pas énormément non plus. Oh la vache! Est-ce qu'on peut couper son action? Je suis pas sûr. Wow, c'est ouf. Passer sur le simple sabre. Ah ouais, ça va pas être facile du tout les amis, moi je vous le dis. Ok, l'esquive. Je peux pas la toucher. Aïe aïe aïe, vite prends ton steam.
Non. Non. Moi aussi je peux? Ah oui, je peux la tirer. C'est vrai. Eh, c'est tendu quand même, hein. On est même pas à la moitié de sa jauge de vie. C'est quand même chouchou. Esquive. Ok, ralentis là. Costaud, hein. Elle est ultra costaud. La force. Ok, viens par là. Elle esquive tout le temps. Allez, relou. Mais aïe. Ok. Putain. Elle est ouf. Attends, j'esquive tout, je reprends un steam. C'est quand tu veux. Bah maintenant, ouais, bah écoute. Tu penses qu'on prend le double sabre laser, remarque? C'est pas impossible, en plus, ils viennent de nous le filer juste avant. Pas impossible que ce soit ça en fait. Juste une égratignure. Mais que dalle, ouais. Allons-y là. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Après son attaque aussi, ça marche. On va rester sur le double, hein. Ralentis là. Je crois que je l'ai touché, mais c'est compliqué. Ok. Un peu trop tard. C'est vrai qu'on peut la parer aussi. Eh ben, nom de Dieu. Ça, c'est du combat. Là, je pense qu'on va aller au bout, hein. Ok, approche. Moi aussi, je peux contrer. Tiens. La tête qui tourne. Par contre, là, ça fait très mal. Qu'est-ce que tu fais? Ralentissement. Allez. La force. Ça, on peut pas contrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Fallait sauter. C'est une onde de choc. Ouais. Elle me repousse. Faire gaffe parce que j'ai plus de steam après, hein. Contrôle-la vite. Bien joué. On est pas trop mal, on a pris un petit peu le coup de main là, je pense. Ça finit, oui. Ok. Ralenti. T'as quand même ultra costaud. Je pense que si là on a pas assez XP depuis le début du jeu, à mon avis on paye tarif, hein. Sans déconner. On a pris le coup de main un petit peu, je pense. Aïe aïe aïe, j'aurais pas dû faire ça. Le saut. Bien joué. Ah oui, parce qu'on a pris le double saut en plus, donc c'est pas inutile. C'était rien du tout. Non, esquive. Ralenti. Ce combat, c'est incroyable. Oui, le contre, vas-y maintenant. Non, esquive. Vache. Allié presque, hein. Allié presque. Allez, c'est peut-être le coup final. Vas-y, Cal. Termine là. C'est terminé. Être une inquisitrice m'a appris qu'aucun revers n'est trop grand. Quand on s'est perdu soi-même, un membre n'est rien. Tu sais, j'ai été un Jedi. J'aimerais beaucoup te capturer. Pour te voir craquer comme nous l'avons tous fait. T'es furieux? L'isolement te rendra foudrage, la torture, les mutilations et tous tes amis. Je te laisserai pas les approcher. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire. Je t'arrêterai, toi. On vient de battre une inquisitrice. Hey, on croyait que t'étais mort. Ça a l'air d'aller. On doit rentrer. Grise et Serré nous attendent.
Ça commence à devenir sérieux? Il est doué, le petit Cal. 9e sœur vaincue. Eh ben, dis donc. On va sauvegarder avec plaisir parce que là, par contre, j'ai plus de vie quasiment. J'ai plus de steam. Que chi. Alors, nouvel objectif ajouté à la carte, trouver l'Astrium sur Datomir. Ah, et maintenant, on va sur Datomir. Alors, facilement, remarque, parce que je vous ai dit que vous m'aviez menti, mais facilement qu'on pouvait récupérer le double sabre laser ailleurs, par exemple sur Datomir, c'est pas impossible. Mais bon, en l'occurrence, on l'a récupéré ici, écoutez. Très très bien. Et ben là, maintenant, il faut revenir à la base. Bah oui, il faut revenir jusqu'au vaisseau. Par contre, ça va être long hein, pour revenir jusqu'à l'entrée de la planète. Ça risque de prendre un sacré bout de temps. Oh tiens, un petit vaisseau. Un petit coffre. Très bien. Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, il s'agit d'un poncho gardien. Ah, il est stylé. On va le prendre. Pas mal. Ouais, j'aime bien. C'est cool. Ça fait un peu plus sombre. Mais avec le jaune, tu vois, sur les épaules, non. Franchement, c'est stylé. Allez. Ah, par contre, t'es gentil, mais du coup, on refait le retour et après, on va retrouver, je pense. Voilà. Avec la tyrolienne. En contresens. Je pense qu'on va retrouver les lieux qu'on connaît bien. Il y a des Stormtroopers là-bas. Mon dieu. C'était quoi ça? Ah oui! Et là, on retrouve les trois affreux. Exact. Donc, ça, on connaît. Là, c'était où on avait libéré les Wookiees. Tranquillement. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est compris. Ok. Bon. Oulala. Oulala. Allez, attaque là. Je vois plus rien. Alors, attention. Je suis pas mal touché. Ouais, je vais devoir récupérer bientôt. Hein. Vite. Un steam, dépêche-toi. Tes steams ne te sauveront pas. Si, bien sûr que mes steams vont me sauver. Bien sûr que si. Toi, par contre, tu vas pas vivre longtemps. Aïe. Esquive. Toi, t'y passes. Allez, ça c'est fait. Ça a pris. Chasseur de droïdes vaincu, c'est déjà bien. On va s'écarter un petit peu, on va réutiliser un steam pour être sûr. Parce que là c'est un combat particulier, je pense que c'est un combat scripté qui était prévu ici. Hein. Allez, elle est un peu plus chiante. J'avoue. Ça faut l'esquiver. On va pas tout bloquer. Allez. C'est pas grand chose. Tu commences à me saouler. En plus, ça me fout un coup de bouclier. Allez, attaque spéciale. Voilà. Ça, c'est fait. Ovo. Adnan. Vaincu. Eh ben, voilà. C'est très bien. Oh, c'est encore un petit peu loin. Il faudrait, tout simplement, voilà, prendre l'ascenseur. On monte et après, il me semble qu'on a un truc qui nous amène directement à l'entrée de la planète vers le vaisseau. Et là, si je ne m'abuse, voilà, nous sommes de retour au vaisseau. Et BD est content. Allez, BD. Eh bah oui. Allez, maintenant, on va pouvoir quitter cette planète. Cordova pense que la clé du sanctuaire est sur Datomir. T'as trouvé ton Wookiee? Ouais. Mais là-bas, ça se présente mal. L'Empire est vraiment partout. Des inquisiteurs? Eh bien, Trilla, la deuxième sœur, où qu'elle se trouve, elle est toujours à notre poursuite. J'ai vaincu la 9e sœur. Cal, quand l'Empire m'a capturé, j'ai résisté. Je me disais que je préférais mourir plutôt que parler. Mais après, l'ombre est arrivée. C'était pire encore que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai voulu résister. Mais j'ai fini par céder. Et j'ai livré Trilla. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour réparer ça. Mais Cal, nous avons encore une chance de sauver les enfants de l'Holocron. Ok, écoutez. La 9e sœur a évoqué le fait de devenir inquisiteur comme si c'était inévitable. Mais vous avez vécu les mêmes choses qu'elle. Et vous êtes là, pourtant. Cal. Tout va bien, Ciri. On trouvera l'holocron de Cordova. Hé hey, fiche la paix à mon assiette avec tes lasers. Ah, il m'a fait rire. Je pense que c'est un petit peu salé, hein. Enfin, si c'était du sel. Après, je ne sais pas, nous sommes dans le futur. Alors, le passé de Ciri. Très très bien. Donc maintenant, nous allons aller
en direction, si j'ai bien suivi, de Datomir. Suis ton instinct. Et mon instinct est d'aller découvrir Datomir. Pour la première fois, hein, 0% exploré, apparemment il y a 16 coffres et 4 secrets. On pouvait y aller d'ailleurs depuis le début du jeu. Hein. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore allé. Allez, on met le cap sur... Attends, tu veux aller sur Datomir ? Étrange que Cordova y soit allé. Il devait avoir une bonne raison. Une fois sur place, moi je quitte pas le Mantis. Le soleil rouge, c'est très mauvais pour la peau. Ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la Force appelées les Sœurs de la Nuit. Elles maniaient la Force ? Quoi, comme les Jedi ? Non. Elles servaient leurs propres intérêts. Leur pouvoir n'était que mensonge, illusion et manipulation. Ça me rappelle une vieille connaissance. Durant la guerre des clones, les Sœurs de la Nuit se sont alliées à un seigneur Sith qui les a trahis. Pour finir, elles ont presque toutes été massacrées. Datomir est un lieu dangereux. Soyons très prudents. Pas besoin de me le dire deux fois. Ah bah voilà qui met en confiance, hein. Super. Ah, on approche de notre destination funèbre. Assieds-toi, petit gars. Je le sens pas du tout. La planète rouge. Rouge comme le sang. Ah oui. En tout cas, ça impressionne quand on arrive comme ça. Ça donne pas vraiment envie d'aller visiter, tu vois. Je viens pas en touriste en même temps. Hein. Enfermé. La coque est solide. J'ai un Jedi. Tout roule. Ouais. Cal, tu as un instant ? Tu as beaucoup progressé depuis Braca. Mais il reste du chemin à parcourir. Je veux que tu sois conscient des difficultés qui nous attendent. Je m'en sortirai. Je sais que tu en es capable. Je ne dis pas le contraire. Et je sais ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai déjà fait. Cal, même les plus forts des Jedi... Je ne suis pas Trilla. Ça ira. Je le sais très bien. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Tout va bien, Serré. Vraiment. Sois prudent, Cal. C'est tout. Mais bien sûr. En même temps, je peux faire exprès de mourir. Hein. Bon, voyons voir. Ouais, on va commencer par là-bas. Alors, je ne sais pas du tout si la planète est grande. De toute façon, on verra bien. Première fois qu'on... Wow. Ouais, ça s'effondre. Heureusement qu'on se trouvait pas là-dessus. Ok. Mais là, on s'accroche. Ça m'étonnerait qu'il soit du genre amical. Effectivement, je pense pas qu'il soit si sympathique. Est-ce que c'est un monstre qu'on doit... Ouais, on doit l'affronter. Petit. Minou. Par ici. Salut. Attends, bon, je vais voir un petit peu son pattern. Comment il se comporte. Viens par ici. Aïe. Ok. Bon, ça va. Enfin, ça va. Ok. Bah non, bah si j'en ai une autre en plus. C'est une araignée. Ok. Une foutue araignée. Ok, on l'a eu. C'est bon. Maintenant, il n'y a plus que le gros. Laissez-moi en tête à tête, s'il vous plaît. Tac, fait. Wow. Je me suis fait shooter. On peut esquiver, bien sûr. Le salaud. Même le dernier coup, il est vicieux. Alors ça, c'est une araignée particulière. Araignée fléau. Qu'est-ce d'accord. Que t'as trouvé ? Et on peut scanner également celui-ci. Hein. L'infâme araignée fléau est un adversaire redoutable. Et très relou. Lui, c'est un Nidak inférieur. Inférieur, ça veut dire qu'il y a des... Il y a des... Il y a des plus forts. C'est inquiétant. Il y a des supérieurs. La porte est verrouillée de l'autre côté. Et on voit qu'il y a une orbe. Une orbe intéressante. Waouh, le nombre de passages ! C'est hallucinant. Ok. Alors là, il y a... Oui. Là, il y a de la fouille. C'est quoi ? Oh, de l'acide, je déteste ça. On va passer sur le double sabre laser. Quand on a du monde comme ça. Oui. Je viens ici, pourquoi au juste ? Apparemment, il y a un truc à explorer par là, également. Ah, c'est à moi qu'il faut descendre. Yeah. Allez. Ok. Des jets d'acide. Petite saloperie. Et quand tu marches dessus, en plus, ça te fait des dégâts. C'est pas cool. Alors, ok, là, on descend.
Peut-être contourner, non? On peut pas aller plus bas. C'est très rouge, hein, comme planète. Forcément, quand tu la vois de l'extérieur, bah ça reflète bien ce qu'on voit quand on est dessus. Ah d'accord, là on peut rejoindre le vaisseau par ici. Ouais, mais du coup ça me fait une belle jambe. Ça je m'en fiche. Ah, ça aurait été bien qu'on ait un petit raccourci. Mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Ouais, on va plutôt aller par ici. Hein. Nouvelle zone non découverte. T'as vu le soleil là-bas? Wouah! Attention! Je la sens pas cette planète, je sens qu'on va en chier. Ok. Ah! Attention, vite Steam! J'ai besoin d'un Steam BD! Saloperie! Ah, c'est chiant ce truc! Seriously? Ok. Et je suis directement en rouge, hein! C'est dingue! On va devoir faire attention à tout ça. Hein. Ah, c'est pas un raccourci ça? Il me semble que c'est l'icône d'un raccourci. En vert. Voilà, exactement. Ça au moins on pourra reprendre d'ici. Très bien. Nom de Dieu! Ça va être dur. J'ai vu un coffre. On va aller le chercher tout de suite. Ce sera fait. Hop là. N'oublions pas qu'on a le double saut. Hey BD, regarde ça. Il me reste deux Steam. Alors honnêtement, au début du jeu, souvenez-vous, vers le début on avait récupéré une nouvelle apparence pour BD1. En rouge. Ouais, pas ouf hein. Bon, on va rester comme ça pour l'instant, je trouve que ça va bien. Mais ouais, on avait récupéré un Steam. Donc on était passé de 2 à 3 Steam. Et là depuis, bah pas d'augmentation. Je trouve ça bizarre. Alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez exploré? Bonne question. C'est quoi une nouvelle plante? Nouvelle donnée scan, non. En face, est-ce qu'il y a quelque chose? J'en sais rien, on va aller check. Ah, alors, en tout cas, il y a une araignée. Viens par ici. Ok. T'en aller toute seule, ça va. D'ailleurs, on a trop bonne compétence. Hein. Ah, il y a de l'écho. Est-ce qu'on peut passer? Bien sûr que non. En bas, apparemment, il y a également quelque chose à explorer. Il y a une araignée! Attends, je vais la faire. Bien joué. Énorme. Ah, par contre, elle laisse de l'acide. La coquine. Ok, là, on peut courir. Hop, et sauter. Oh! Vous êtes plusieurs. C'est vraiment chiant, ça. Oulala, oulala. Plus beaucoup de vie. Je vais prendre un autre Steam. J'ai besoin d'aide. Là, on peut grimper. Putain, mais c'est ouf, quoi. Tout ce qu'il y a à voir ici. Complètement dingo. D'ailleurs, attends, il y avait pas une grotte là-bas? J'avais pas fini mon exploration, il me semble. Ah non, y a rien. Ok. Je voulais vérifier quand même. Je voulais vérifier. Là, y a pas grand chose. Donc, du coup, ce qu'on va faire. Ouais, c'est monter par ici. Ça a l'air assez grand. Enfin, c'est même pas que c'est grand, c'est que t'as plein de choses. Ah, on peut courir là. J'ai trouvé. Hop, 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 hop. Voilà. Là, on pourra choper. Comme ceci, la petite histoire. Alors ensuite, on va aller en face. Il pratique son art. Bah ici, pour le coup, on a rien d'autre. Donc là, faut continuer. Alors, je veux pas sauter parce que je vais mourir. Mais on va repartir sur la gauche. Là, on a déniché tout ce qu'on avait à prendre à droite, je pense. Maintenant, on se concentre sur l'autre partie. On décolle. On décolle. Il y avait pas un truc aussi... Non, la porte est fermée, donc on peut pas aller ailleurs. Ok. Je crois que les éphos étaient là. C'est étrange. Ce lieu semble abandonné, mais... Tu n'es pas le bienvenu, Jedi. Tu dois être une sœur de la nuit. Je vous croyais toutes disparues. Pas toutes. Tu n'as rien à faire sur Datomir. Va-t'en sur le champ. Oh, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ça, mais... Peut-être qu'on pourrait s'entraider. Je cherche... Attends.
Je suis pas un ennemi. Tes actions disent le contraire. Attends, je ne veux pas. Vaché. Oh là, on dirait des mini Dark Maul. Regardez. Attention. Ok. Venez par ici, les vilains. Ah oui. Empêchez-le de bouger. Allez. Vivement que je puisse utiliser mes points de compétence. Bon, ça va, ils ont pas l'air non plus oufissimes. Par contre, faut juste penser à esquiver un max. Ok. Esquive. Bien joué. Et 1 sur 2. Là. T'es pas loin, mon gros. Nickel. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'était pas mal du tout. Guerrier des frères de la nuit. Et donc là maintenant, on va continuer de ce côté. Ne pas se tromper de sens, hein, évidemment. Allez. Ah yes, on peut sauvegarder. Là, ça fait plaisir, hein, parce que quand même, les ennemis ont l'air assez redoutables dans cette zone. Sur cette nouvelle planète. Hop. Alors ensuite, arbre de compétences, j'en ai 3, donc logiquement je prends une nouvelle compétence, vu que maintenant elle coûte 2. Je voulais améliorer absolument, regardez, l'esquive, non, c'était la vie. Ah mais la vie, on l'avait déjà augmentée. Ah oui, à chaque esquive de précision, Cal ralentit brièvement les ennemis. Qu'est-ce qu'on a aussi à gauche du côté de la force? Une poussée puissante qui permet à Cal de repousser des groupes d'ennemis et de renverser des cibles lourdes. Oh, maintenir RT, ça c'est intéressant par contre. Je prends ça. Allez, faut penser à s'en servir, mais ça a l'air cool. Ah oui. Ah, s'il y a un groupe au bord du précipice, tu les repousses comme ça, et tout le monde se casse la gueule, c'est impeccable. Allez. Allons-y. Des frères de la nuit. Oula. Oh. Attends. Ah, je voulais. Pas te calmer, toi. Oui. Dégage, merci. T'as vu, ça l'a un peu repoussé, mais pas de ouf. Trois à la hauteur. Je peux plus le repousser plus, c'est chiant. En avant. Le truc c'est que quand on a un qui te tire dessus. Attends, je vais me le faire lui là-bas. Je vais me le faire. C'est fini. Oh mais. T'es chiant. Ok. Ça. T'es relou. Il est plus fort lui, non? Voilà, quand il passe en rouge, c'est là qu'il faut l'attaquer au pire. Scanne-moi ça, c'est un nouveau. En fait, c'est un cupidon. Il tire des flèches roses. Haché des frères de la nuit. Ouais, ils sont pas fichés quand même. Oh, c'est vicieux. Oh, c'est ultra vicieux. T'y crois? Ok, ralenti. C'est vrai que je pense aussi à ça. Il y a tellement de possibilités en fait dans le gameplay. En fait, t'as tendance à en utiliser que la moitié. Ralentissement. Ok, ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux. Ensuite, par ici. Ok. Faut que j'attaque avant d'avoir des attaques. Super truc. Ok, ma garde elle est impeccable. T'inquiète, ma garde elle va très bien. La tienne par contre, pas ouf. Il y a un autre apparemment. D'accord, on peut les contrer donc comme les storms. Par contre, ça je pense pas. Vas-y. Ça marche. Nickel. Il y a un coffre. Oh non! Ah, il m'a vraiment fait tomber, la première fois c'était pas loin. Attends, je suis où là? Ah d'accord! Ils m'ont bougé ici! Ils m'ont fait rentrer dans le truc. Ah c'est ouf hein, quand même. Attends, on va s'écarter parce que là ils sont bien gentils mais... Bien gentils mais si on me tire dessus et en même temps que j'ai lui abattre, c'est chiant quoi. Tiens, prends le coffre. Heureusement qu'ils ont pas l'angle pour me tirer dessus, c'est pas loin. Qu'est-ce que c'est? Par contre, j'ai tout obligé d'utiliser un steam là. Quelque chose. Vaisseau de course, nouvelle peinture. Ah, vaisseau de course. Ah, il est beau comme ça par contre. Allez, on va le mettre en vaisseau de course.
Là, ok. Allez. Ça, on l'esquive. Tu sais quoi, je vais les tuer de là. Envoyez les gars. Allez. Du nerf. J'essaie de me montrer. Voilà. Vous me voyez, les mecs? Eh oh. Bon. Pas le temps de niaiser, hein, non plus. Hein. Non, pas ça. Pas ça non plus. Vas-y encore. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, on est tranquille. soyons plus malins qu'eux. Donc là, hop. Logique. Monte par ici. Par là. Pas de problème. On continue. Ouais, je dirais que la difficulté sur cette planète, elle est quand même plus élevée pour l'instant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Attends. Ah, c'est bien là qu'il faut aller. Ah. Coucou. Ah d'accord, c'est vrai qu'on élimine d'un coup. Une araignée. Ok. Ne reste pas dans l'acide par contre. Hein. Le bain d'acide, c'est pas trop mon délire pour le coup. C'est par là-bas. Putain, c'est un vrai labyrinthe. Terrible. Ouais, porte ouverte. Apparemment. Raccourci débloqué. Ah oui. D'accord, ça nous amène là. Maintenant, on pourra revenir directement ici. Super. Youhou. On peut descendre. Ouais, il y a un truc à explorer en bas vite fait. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Nouvelle poignée de sabre laser obtenue, Magus. Ok. Et on peut également, si on le souhaite, personnaliser le sabre laser. D'accord. Pour l'instant, on va rester comme ça. Ouais. On va rester avec le sabre laser bleu. Je changerai éventuellement émetteur, poignée, etc. une prochaine fois. Attention ennemi. Tu vas te calomir. Méchante. Elles sont vicieuses. Je déteste ces araignées. Point de compétence. Super. Oui, oui, oui. C'est fini. Ok. Mais encore. Et tout ça pour quoi en fait? Tout ça pour rien du tout. Ils sont sérieux? Ah si, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Faut que je reprenne un steam là. Ce qu'on fera par contre, je me sens faible, mais... c'est qu'on retournera peut-être à un point de synchro là. À un point de synchro. À un point de... pour... t'as compris, à un point de sauvegarde. Quelque essence de vie, une sur trois. Quelqu'un ici. L'énergie venant des ruines. Ah bah tiens. Voilà. Super. C'était exactement ce que je voulais. Un point de méditation. Voilà, je retrouve exactement le bon terme. Et on va récupérer, on va se reposer. Par contre, ça va faire revenir les ennemis, mais ce qu'on va faire, c'est les rochers, on va pas les combattre. Arbre de compétences, j'en ai récupéré deux. Donc on va pouvoir maintenant prendre... de ce côté plutôt, hein. Traction implacable, une traction puissante qui attire brusquement des groupes d'ennemis vers Cal. Allez, je prends ça. Les deux gâchettes, d'accord. Ah oui, ça fait un regroupement. Et ça après, en plus, si t'es avec le sabre laser double, c'est encore mieux, je pense. Il y a moyen de faire de sacrés enchaînements quand même. Hein. Je pense que quand on arrive à la fin du jeu, ça doit être un truc de psychopathe. Vraiment. Donc là, ils sont de retour. Je vous le dis. Hein. Merde, je vais pas me faire toucher. Ce qu'on va faire, c'est rusher. On va pas chercher parce que bon, c'est un Metroidvania, donc les ennemis reviennent tout le temps. Hein. Ah, voilà une âme errante. Apparemment, tu as croisé la sœur de la nuit, mais... contrairement aux autres, tu es vivant. Oh, un sabre laser. Non, 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 le cache pas. Voilà qui explique que tu as survécu. Qui êtes-vous? Tu ne... Oh non, non, t'as rien à craindre. Je ne suis qu'un voyageur. J'étudie la nature... de culture antique et de philosophes morts. Vous étudiez les sœurs de la nuit? Oh, j'étudie beaucoup de choses. Mais oui, cette sœur de la nuit, oh... elle n'était qu'une enfant, quand ce monde est entré en guerre. Elle a dû regarder toute sa famille périr. Que savez-vous à propos de ces ruines?
Oh, elles sont millénaires. La sœur de la nuit et ses frères guerriers ont été séduits par le pouvoir de ces ruines. Évite les ruines, ou tu connaîtras le même sort. Tu sais pas qui je suis, toi. Toc. Alors, nouvel objectif ajouté, atteignez les runes délabrées. Eh ben allez. Alors là, pour le coup, c'est clair et net. Hein. L'objectif est droit devant. Oula. Ok. Aïe. Allez-y. Pas ça. Voilà. Encore. Nickel. Quelques-unes et c'est bon, les gars. Voilà. Merci bien, au revoir. On peut grimper, mais pas sans équipement. Meurs ! Oula ! Et c'est reparti pour la glissade ! Youh ! Eh ben non. S'en passe des choses. Descente aux enfers. Ok. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. On peut dire que tu sais t'amuser. Bon, il faut dire que c'est amusant les glissades aussi. Pas mal. C'était toujours bonne impression. En tout cas, cette planète, depuis le début du jeu, je trouve que c'est la plus, celle qui paraît la plus malfaisante, tu vois, la plus dangereuse. Dans l'ambiance, dans le visuel, c'est assez agressif. Même les ennemis sont moches. Se reposer. Bah oui, de toute façon, on va pas revenir en arrière. Donc au moins, ça save ici. Allez, toujours tout droit. T'as vu comme c'est méchant ça? C'est ultra méchant. Attention. Pique poil où il faut pas quoi. Ok. Mais comment tu veux ne pas perdre de point de vie sérieusement? Ah! Oh l'acide était en train de me niquer quoi. La porte est verrouillée de l'autre côté. D'accord, donc c'est pas ici qu'il fallait venir. Je me suis embêté pour rien. Tiens, ce qu'on va faire, on va faire réapparaître pour reprendre à fond de la vie, se reposer. Ce qu'on sait jamais, parfois 3 cm de vie, ça peut faire la différence. Bon, je suppose que c'est par là. Tout à fait. Et donc ouais, on va faire attention parce que vraiment, sur cette planète, ça a l'air beaucoup plus difficile. Tu ne saurais aller plus loin. Écarte-toi. Non. Ce qu'il disait était vrai. Quoi? Qui ça? Les Jedi sont des voleurs et des menteurs invétérés qui ne répandent que la mort. Recule. Si tu m'attaques à nouveau, je te jure que je te tuerai. Oh, je ne te ferai rien. Mais mes sœurs assassinées... elles vont avoir leur revanche. Sexy. Allez, c'est parti. Ah oui, ça commence mal. Ok, je vois le délire. Waouh, et oh, calmos, hein. Là, je pense que c'est plutôt bien d'avoir le double sabre laser. Hein. La double lame. C'est quand même merci, sympathique. Sœur de la nuit, mort vivante. J'ai remarqué. C'est par ici. Ah non, c'est l'autre. Oula! De Dieu! Encore on s'en est sorti. Attention, musique! Ouah! Calme-toi. Ah, joli. Wouh! Attends, faut que je la cible. Voilà! Ça gère! Faut qu'elle reste calme un peu là. Quitte ce lieu. Ah non! Une araignée! Ok. J'ai qu'une araignée maintenant. Ah putain, l'acide de merde. Vas-y, deux coups après, non? Waouh. Un premier et deux après qui sont plus proches. Tu vois un petit peu comme c'est des saloperies. C'est encore pire que les chèvres.
sans déconner. Les premières araignées, encore ça allait, tu vois, mais celles-ci, je les déteste. Cette ambiance hyper sombre. Mais non, mais s'il te plaît. Je suis tombé comme un noob. C'est incroyable. Oh mon dieu. Ah, je l'ai vu. Wata. Ils ont mangé quoi? Ralentis là. C'est bon. Ça le fait. Maintenant, on monte. Alors je sais pas s'il y a des secrets à récupérer dans ces zones, parce que là je t'avoue que c'est pas que je rush, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses justement. Oh! Attends, mais je repasse de l'autre côté, moi ils sont trop nombreux. Je me tire. Désolé les filles, mais là, si on peut se faire une par une à la limite. Ok, je vois plus rien. Bonjour la caméra. Eh, je viens de dessiner une flèche. Bon, c'est par là-bas. Alors attention, j'ai... L'araignée ! C'est bon ? Allez, on se tire. Comment la sœur de la nuit arrive à nous suivre ? Des utilisateurs de la force. Mais je ne l'ai jamais vu employée comme ça. Fais attention où tu mets les pieds. Attends, tu as des pieds, toi ? Est-ce que tu connais cette créature volante ? Je préfère pas le découvrir. Oui, c'est vrai, pour l'instant, je préfère pas savoir. Est-ce que c'est un raccourci, ça? Non. Non. Si j'y vais dessus... Ah, ça me fait descendre. Ah, si! C'est peut-être un raccourci, du coup. D'accord, parce que tu vois, il y a une flèche, donc tu te dis... ouais, c'est sûrement ça. Ouh, un coffre. Alors... Tu veux voir ce que c'est? Bah oui, je veux voir. Oh, t'as trouvé quelque chose. Pouvoir et contrôle, nouvelle poignée. Tiens, on va aller voir ce qu'on a par ici. Découvrons cette partie. Raccourci débloqué. Ah, c'est la porte qui était bloquée tout à l'heure, nice. Attends, je vais pas les tuer tout de suite, ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, on va se remettre de la santé et ils vont revenir. Ok, très bien, du coup, on peut se régénérer ici. Pratique. Allez, on va méditer, on se repose un petit peu. Et on va continuer ensuite, j'ai pas récupéré de points de compétences. Allez, le repos, non pas éternel. Hein. Faut pas déconner. Et là, on continue, on va retrouver les deux affreux. On va totalement snobber. Salut les gars, à plus. Moi je remonte. Ah, je suis comme ça. Ciao. Ah, je déteste les araignées avec l'acide. C'est horrible. Très bien. Bon, maintenant, nouvel objectif. Explorer Atomir pour trouver un moyen de retourner aux ruines. Yes. C'est vrai qu'on est tombé bien bas. Ouais, salut les affreux. Tous sur la crue. Ah, ils sont trois par contre, hein. On va se méfier encore une fois. Ok. Aidez-moi. Oui, ils tentent de s'enfuir. Ça dégage. J'essaie de les écarter les uns les autres. Par contre, on va retirer le viseur, le curseur, parce que là... Ok. Je compte. Ouah, zone rouge. Éliminez-le. T'es par ici, les affreux. Tu ne pourras gagner, étranger. Ok. T'as vu comme il me contre? Le salaud. Ralenti. Touché. Bon, là il faut prendre le temps, hein, je pense. Hein. Tu crois à la hauteur. Compte, j'ai pas osé aller plus loin. Voilà, lui on peut le toucher. Il est en rouge. La vivacité, les amis. La vivacité. Le contre. Et voilà. Bah ça va, on a perdu à peine de la vie. Franchement, on a géré, je trouve. Les runes des frères de la nuit. Tu penses qu'on approche d'un village ? Qu'est-ce que c'est ? Waouh ! J'adore les zombies.
attention, elle est en rouge. Bon, il restait que dalle de vie, j'aurais pu la tuer facilement. Salaud! Ah, ce qui est vachement bien dans le jeu, c'est qu'on a vraiment la sensation, et c'est important, hein, de contrôler un Jedi. Et c'est très cool, franchement, tu t'y crois. Et les jeux Star Wars, où justement t'as vraiment cette sensation-là qui est super agréable en tant que fan de la série, de la saga, eh ben c'est justement qu'on s'y croit, il y a une super immersion. Quelqu'un a été pris en chasse. La traque, nouvelle donnée. Frères, oula! Ok. Ça, on va esquiver. Coucou les affreuses! Fait chier, hein. Lui, il me tire dessus là-bas. Attends. Point de compétence obtenu, super. Tu ne fais rien contre nous! Ça me fait chier, il y en a une qui balance de l'acide, l'autre qui me balance des flèches pour que je tombe amoureux, ouais, c'est bon. Jamais je serai amoureux de toi. Il fait flipper quand même comme gars, non tu trouves pas? Ok, c'est bon. Allez, on bouge. Attention. Allez-y les gars, je vous attends. Eh oh. Non? Super. Encore. Allez-y. C'est ce qu'on voulait. Eh, hey, je t'attends. Il me saoule lui un peu. Allez. Allons-y. Tu ne peux rien contre notre puissance. Ah, comme il m'a esquivé. Ça c'est bien vu barbu. Allez viens, tire. Voilà. Super. Va bene. Maintenant. C'était... Alors, faut passer... Attends. Ok. Ça se passe là-haut, apparemment. Ouais. Apparemment, ça se passe par là et de l'autre côté aussi. Il va y avoir quelque chose. Oui, mais non. Ah! Tu peux m'aider, BD? Mais non! J'ai pas utilisé un Steam! BD. Je me suis trompé! Je voulais pas du tout utiliser un Steam! J'ai compris, BD. Domestication des araignées. Non, il faut passer en face, en fait. Ah, d'accord. Faut se faire un mur pour le sprint mural. Ah, et là on peut sauvegarder. Et bah voilà. Franchement, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Un point de compétence. On se repose ou pas? Non, franchement, on va pas se reposer parce que les ennemis vont réapparaître. J'ai pas trop envie pour l'instant, tu vois. Allez. Bah, c'est quoi, on va y aller. J'espère qu'il va pas me faire tomber par contre. C'est juste ça. Parce que quand on est en équilibrisme comme ça. Ça arrivait, rappelez-vous, sur Kashyr avec les petits robots d'enfoiré là. Aïe! Tu es faible, étranger! Reviens! Attends, Jedi. Ah, c'est quoi ça là-haut? Ça fait peur! J'ai vu la dame en noir. Si je descends, je suis sûr que je vais avoir un gros monstre. Ah bah, voilà. C'est sûr. D'où j'ai pas esquivé. Ok. Là. Ah d'accord, même quand il tombe, il fait style qu'il tombe en fait. Dernier coup, ça a brisé ma garde en plus, ça l'a fatigué. Clairement. Pourquoi tu t'en vas? Ah, il a été bloqué par les trucs là-haut. Oh le bouseux. Ah merde. C'est une mauvaise idée. Et... Oula. Et là maintenant. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un truc? Ah, BD il a un truc. Super. Un nouveau scan. L'antre des Nidak. D'accord, on peut prendre la cage apparemment. Il y a un petit écho. Il y a un petit écho. Ah zut, au fait, j'ai pas fait attention à la durée. Ah zut! Va falloir qu'on arrête la vidéo. Ah, c'est tellement bien en vrai. Alors, on peut monter là-dessus. Ah, ça veut dire qu'on peut aller éventuellement par ici. Et pour monter là-haut, je parie. Ah ouais, c'est ça. Yes, donc en plus, on peut grimper, donc suffit de prendre la cage. Je pense que c'est ça. Fais attendre ici, la petite. Attends, on peut la soulever? Non. Juste là. Voilà.
c'est bien ça. Bon, j'espère qu'on va vite trouver un point de sauvegarde parce que j'avais pas fait attention à la durée de la vidéo. C'est ça quand on aime, hein. Quand on aime, on ne compte pas. J'espère qu'on va pas avoir un combat de boss pendant un quart d'heure. C'est juste ça. Ouais, c'est bien là. Il me reste plus que deux Steam. Je sais pas si on peut en récupérer d'autres éventuellement. Peu importe la planète, hein, mais c'est vrai que 3 Steam c'est un peu léger. J'aimerais bien en avoir plus. Ouais. Ah, il y a le point de sauvegarde à côté. C'est sûrement ici que vivent les frères de la nuit. Par là. Seulement si on n'a pas d'autre choix. Oui, je te comprends. Vous voyez ça le compte. Kiff. Ok. Ouais, donc on peut caler par ici. Ces trucs faut les faire bouger. Non, faut que je descende. Bah oui. Apparemment. Yes. Ça. C'est l'étranger qui a baissé le pont. Tout à fait. Oulala. Ah oui. Un accès près de la porte. Ok, ok. Un accès près de la porte ou ça? Attends, je me protège. Où un accès près de la porte? Je vois pas d'accès. Où ils sont vénères? Tirez-moi dessus, les gars! Ah, d'accord, mais ils envoient que des grosses attaques. Un accès près de la porte. Mais où ça? Ah oui, ici. Ok. Je comprends. Ah! C'est la descente, encore une fois! C'est ouf. Hop là! Oh, j'ai bien fait de faire le double saut. Elle est en sauvegarde. Oh de Dieu, mais c'est ouf cet endroit. C'est ouf. Vous savez quoi, les amis? On va sauvegarder, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est chaud! Ouais! Allez, on se repose. Hop hop hop. Sur ce, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très vite, dès demain, pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de la série. Il nous reste encore beaucoup de vidéos. Merci à tous. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Ciao, ciao!